Longtemps, pour plusieurs Autochtones, c'était pas nécessairement une fierté d'affirmer son identité. Mais dernièrement, le coming out autochtone est à la mode. Il y a vraiment beaucoup de gens, et dans le milieu artistique, et dans le milieu universitaire, institutif, c'est très, très, très varié, qui se prétendent d'origine autochtone. Parfois à tort et à travers, mais pour plusieurs membres des Premières Nations, tout cela a assez duré. Moi, là, j'aimerais ça là, que ces individus-là vivent la vie que ma mère a eue, que mes tantes ou mes oncles ont eue. Leurs plus proches ancêtres autochtones remontent parfois au temps de la colonisation, mais ils assurent que la culture s'est transmise de génération en génération. Lorsque vous vous affirmez comme métisse de nos jours, automatiquement, vous tombez sous la loupe. Mais d'où ça vient? Qui exactement? Lequel? T'en as-tu suffisamment? Mais même le gouvernement fédéral est incapable de dire qui est métisse et qui ne l'est pas. Et certains tentent de profiter de la situation. Évidemment, n'importe qui peut se dire n'importe quoi. Si je veux me dire extraterrestre, je peux me dire extraterrestre. La question, c'est qui va te croire? Ici Marie-Maude Denis. Bienvenue à Enquête. Salut, Jacques Tewatso, conseiller au conseil des Abénakis d'Odonac. Nous sommes le 15 septembre. Je viens de recevoir ma mise en demeure de Sylvain Rivard, alias Bimbard. Ce n'est pas une mise en demeure qui va empêcher Jacques Tewatso de parler. L'homme en a fait son combat, dénoncer ceux qui se prétendent faussement autochtones selon lui. Un vol d'identité à ses yeux. Il a menti à ma nation constamment. Il s'est servi de ma culture pour faire avancer sa carrière. Il se dit un grand allié, mais c'est comme un prédateur culturel des Premières Nations. Celui qu'il menace de poursuite, c'est lui, Sylvain Rivard. C'est un spécialiste du vêtement autochtone, bien connu dans les médias, les milieux culturels et les musées. Et des couteaux de cou. Les couteaux de cou, ce sont les couteaux qui sont portés là. C'est une tradition de le porter au cou plutôt qu'à la taille? À la taille, c'est Hollywood. Pour Jacques Watso, Sylvain Rivard est un imposteur. Un exemple parmi bien d'autres, selon lui. De plus en plus de gens s'identifient métis au pays, se regroupent et exigent des droits. Mais qui est ou n'est pas métis? Une question simple, beaucoup de réponses. On l'a cru, puis toute la majorité de la communauté l'a cru. Mais quand on commençait à poser des questions, il était évasif sur le sujet. Sylvain Rivard est un artiste multidisciplinaire, auteur et conteur reconnu. On peut l'apercevoir ici, en Allemagne, lors d'un festival. Il fait aussi des présentations dans les écoles. Ses contes sont publiés par une maison d'édition autochtone. En 2019, au Salon du livre de Montréal, il est entouré d'auteurs autochtones, dont Joséphine Bacon, la grande poète et réalisatrice Inou. Moi, ma base de culture part avec mes grands-parents. Ça a comme sauté une génération. Parce que je voyais que mes amis ne faisaient pas ça. Je me demandais comment ça se fait qu'on fait ça, nous. Oui. Et c'est là que j'ai toute une histoire. J'ai fait « OK ». Et je suis allé là-bas. Sylvain Rivard collabore depuis des années avec la nation abénakise. Il a même appris la langue. Au musée d'Odanak, il a grandement contribué à l'exposition « L'Indien au-delà d'Hollywood ». Mais son ascendance autochtone n'est pas claire. Sylvain Rivard s'est longtemps présenté comme ayant des origines abénakises, mais il a cessé de le faire. Il maintient avoir des ancêtres autochtones, mais encore aujourd'hui, il est incapable de les préciser. M. Rivard est devenu plus grand que son mensonge, puis l'ego artistique, culturel de son appropriation identitaire et culturelle de ma nation a fait en sorte que c'est devenu un personnage qui est représentatif de l'appropriation culturelle chez moi. Sylvain Rivard a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Joint au téléphone, il dit ne pas avoir menti, car sa grand-mère lui a toujours dit qu'il avait des origines autochtones. Il a le sentiment d'être autochtone depuis son enfance et d'être un ambassadeur de la culture des Premières Nations. Et le grand argumentaire, c'est que je fais ça pour honorer les Premières Nations, chose qui n'est pas le cas parce que ce sont des prédateurs culturels qui viennent dans nos communautés, qui exploitent notre richesse culturelle qui doit être diffusée que par nous, les Premières Nations. D'autres membres des Premières Nations ont tenu à prendre la défense de Sylvain Rivard. Par communiqué, ils affirment que même s'il n'a pas de statut autochtone, il en a l'esprit, le cœur et l'âme.
Les signataires souhaitent même que Sylvain Rivard devienne membre de la nation abénaquise à titre honorifique. Dolores Contrémiguane est une artiste et pédagogue, spécialiste des coutumes autochtones. Son but, créer des rapprochements interculturels. Moi, je dirais que oui, c'est un des grands... Dans cette entrevue en 2015, elle parle de ses origines avec l'animateur d'une web TV. À la maison, on parlait l'anglais, du baragouin, mi-chif. C'est okay. une langue autochtone entrecoupée avec du français, un peu d'anglais. OK. Donc ça, c'était la langue maternelle. Dolores Contré est l'auteur du livre « Une pédagogie de la spiritualité amérindienne ». Ses activités professionnelles ont été soutenues par des organismes et institutions du Québec, du Manitoba et aussi de la France. C'est mon grand-père qui avait quitté l'Ontario, lui étant d'origine Anishinaabe avec son épouse aussi. Moi, j'ai pas vu d'ascendance algonquine de son côté. Ça, ce sont ses ancêtres sur les 5 dernières générations. Dominique Richaud, spécialiste en généalogie, n'a pas trouvé d'ancêtre Anishinaabe algonquine dans la famille de Dolores Contré. D'ailleurs, Miguane, c'est le nom d'un Autochtone qu'elle a fréquenté il y a plusieurs années. Ils ont eu un enfant, mais ne se sont jamais mariés. Au moment de son entrevue d'embauche, Mme Contré a effectivement mentionné qu'elle était métisse. Dolores Contré est chargée de cours sur les traditions, coutumes et croyances des Autochtones à l'Université de Montréal depuis 2008. Être autochtone ou métisse n'est pas un critère d'embauche, mais l'université analysera quand même le cas de Dolores Contré. Si on doit rectifier le tir, par exemple, sur notre site Internet où, effectivement, elle s'affiche comme métisse, on le fera, mais on doit poursuivre les différentes vérifications là, en ce sens-là. Dolores Contré n'a jamais répondu à nos demandes d'entrevue. Par courriel, son fils affirme que sa mère n'a rien fait de mal. Selon lui, elle a simplement voulu honorer son père en lui transmettant la culture algonquine. Je suis Louma, femme médecine de la Première Nation Antaya, Abenaki Algonquine du Québec. J'en profite pour saluer tous les membres de mon clan. La chamane Lumawakan se dit porteuse de la médecine du clair esprit, inspirée des pratiques ancestrales autochtones. L'univers s'exprime pas ni en français ni en anglais ou d'autres langues. Elle s'exprime en vibration et en fréquence. Lumawakan, ou Diane Tremblay de son vrai nom, affirme descendre d'un chef iroquois et que son grand-père est autochtone. Si je vais dans sa généalogie à elle, Notre généalogiste n'a toutefois trouvé aucun ancêtre autochtone dans sa lignée. C'est du n'importe quoi, c'est du fast-food culturel, c'est dégueulasse. Puis même ceux qui font de l'appropriation culturelle, mais ils font bien, ça justifie pas leur mensonge. Diane Tremblay a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Au téléphone, elle affirme que les registres publics sont erronés. Elle dit avoir comme seul objectif d'aider les gens dans le besoin. D'autres personnalités publiques ont aussi fait la manchette récemment. In the circle of life, Indigenous people see life in a circular manner. Nadine Saint-Louis, la directrice d'une galerie d'art autochtone, s'est identifiée Mi'kmaq et métisse algonquine. La presse révélait que son ancêtre autochtone le plus proche serait né en 1680. Nadine Saint-Louis a intenté une poursuite contre la presse. Son avocat nous a fait savoir que les informations diffusées dans les médias sont fausses et diffamatoires. Michelle Latimer, une réalisatrice canadienne bien connue dans le milieu du cinéma. Une enquête de CBC a remis en question ses origines liées à la Première Nation de Kitiganzibi, près de Maniwaki. Madame Latimer s'est excusée d'avoir affirmé être originaire de cette communauté sans d'abord avoir fait toutes les vérifications nécessaires. Elle maintient tout de même être métisse. L'ONF a ensuite retiré son documentaire « Inconvenient Indian » de son catalogue. La conseillère municipale Marie-Josée Parent, première élue autochtone à la Ville de Montréal qui portait le dossier de la réconciliation avec les premiers peuples. Jusqu'à ce qu'un article de Radio-Canada remette en doute ses racines autochtones, la forçant à se retirer du comité. Les réseaux sociaux ont réagi beaucoup il y a une dizaine de jours, grâce ou à cause d'Éric Pouliot-Tisdale, puisque c'est vous, Éric, qui avez sorti ces affirmations-là sur Internet, donc Marie-Josée Parent ne serait pas Mi'kmaq. Éric Pouliot-Tisdale est Mohawk, un passionné de généalogie. Sur son site Internet, il dénonce des personnalités publiques qui usurpent l'identité autochtone, selon lui.
C'est vraiment un fantasme. Et puis, si on les croit pas, on n'est pas correct. Sa méthode? Publier l'arbre généalogique des gens. À chaque publication, les réactions sont vives sur les réseaux sociaux. Et ils se prétendent dans cet Micmac, dans cet Algonquin et tout ça. Puis finalement, on fait leur généalogie, puis on remonte à 1600-1640. Mon expérience de l'année dernière a été vraiment traumatisante. Hein? Ça a été extrêmement blessant. Un an plus tard, Marie-Josée Parent a accepté de revenir sur les événements. Comme c'est souvent le cas chez les personnes s'identifiant métisse, elle affirme que son sentiment d'appartenance à la nation Micmac lui vient d'abord d'une tradition orale familiale. Une culture qui m'a été transmise et que je vis encore aujourd'hui, qui m'a été racontée, qui m'a été inculquée par mes parents. En quête de preuves, elle a consulté des experts. Pour reconstruire de façon factuelle, donc avec des preuves, l'histoire familiale qui m'a été racontée. Et systématiquement, cette histoire-là est maintenant corroborée par des faits historiques avec des certificats de naissance, des certificats de mariage, une généalogie complète. Comme ce certificat de naissance de son arrière-grand-mère. Un élément que je n'avais pas. Et donc, c'est quand même super intéressant de voir qu'elle a été baptisée sur la réserve de Lenox Island. Notre généalogiste assure que ce certificat ne signifie pas que son arrière-grand-mère était autochtone pour autant. Dans les différents recensements publics, son arrière-grand-mère ne s'est d'ailleurs jamais identifiée comme étant autochtone. Rien de surprenant pour Marie-Josée Parent, qui assure que plusieurs Autochtones ont longtemps caché leur identité. En fait, je vais vous avouer que en ayant appris tout ce que j'ai appris sur le caractère historique qui n'est pas toujours raconté ou qui est moins bien connu sur la réalité du territoire d'où je viens, j'ai envie de le célébrer davantage. Au pays, on assiste à une véritable explosion du nombre de personnes s'identifiant métisses. Selon le recensement de 2016, ils étaient 587 000, une augmentation de 334 % en 25 ans. Au Québec, 69 000 personnes se disent métisses, une hausse de 150 % en 10 ans. On en revenait toujours à la même historique. 5 à 6 ancêtres que généralement environ 60 à 80 % des Québécois ont, entre 1600 et 1670 approximativement, donc excessivement loin. Même le premier ministre du Québec dit posséder l'un de ses ancêtres. Moi, j'ai une de mes arrière-grand-mères, arrière-arrière-arrière-grand-mère, qui s'appelle Marie Mitewi Migou-Kou, donc qui était algonquine. Le premier ministre ne se dit pas métisse pour autant. Mais des membres des Premières Nations à qui nous avons parlé se sont dit offensés par sa déclaration. Partout, ils tombent sur des Québécois animés d'un nouveau sentiment de légitimité. Ce phénomène massif de coming out autochtone, même bien intentionné, devient épuisant et insupportable pour eux. Il y a vraiment beaucoup de gens, et dans le milieu artistique, et dans le milieu médiatique, dans le milieu universitaire, institutif, c'est très, très, très varié, qui se prétendent de source autochtone, d'origine autochtone. C'est condescendant, puis c'est arrogant de leur part. Puis c'est une fois une autre forme de colonialisme de la part des Canadiens français sur les membres des Premières Nations. C'est blessant, là. Après la pause, on va à la rencontre de beaucerons qui se disent métis et qui revendiquent des droits, notamment pour la production de sirop d'érable. Les Métis revendiquent les mêmes droits que les Premières Nations. Il y a même une centaine d'organisations qui sont allées en cours pour tenter de se faire reconnaître officiellement. Mais vous allez voir que ça n'a pas été un succès. On a décidé de vous donner une paire de mocassins parce que c'est symbolique. L'idée, c'est de vous dire, de vous demander de chausser nos mocassins avec notre regard sur la vie. Dominique Côté est la chef d'une association regroupant des Métis en Beauce, la Nation Sartigan. Moi, à l'école, on m'appelait la grosse quoi. C'était vraiment le quotidien de ce que je vivais dans ma vie, même à 10, 12, 13, 14 ans. Là.
Dominique Côté a d'abord fondé la communauté Antaya en 2007, puis le groupe s'est séparé. Aujourd'hui, 150 membres ont suivi la chef Côté et forment la Nation Sartigan. Dominique Côté affirme que c'est sa grand-mère qui lui révèle ses origines autochtones, une communauté oubliée par l'histoire et un village disparu, aujourd'hui Saint-Victor-de-Beauce. Elle me disait, révèle la vérité sur notre groupe. Et comment je peux révéler la vérité sur notre groupe? Ben, un, en faisant un rapport historique, c'est ce qu'on a fait à la Nation, en démontrant ça. Et deux, c'est en obtenant notre reconnaissance avec Ottawa. Au Québec, il y a 11 nations autochtones reconnues par le gouvernement fédéral. Les membres de ces communautés ont au minimum un ancêtre autochtone à moins de 3 générations. Les organisations de métis comme celle de Dominique Côté ne sont pas reconnues et n'ont pas de droits autochtones, mais beaucoup militent tout de même pour les obtenir. Et cette reconnaissance-là, je l'espère, va permettre, entre autres, qu'on puisse avoir une bonne collaboration, tant avec les communautés Abénakis, Taudanak que Wulinak, puisqu'on est cousins, hein? On a certains des mêmes ancêtres. Oui. Des cousins que les Abénakis ne reconnaissent pas. Dominique Côté, elle a approché le conseil dans sa première organisation, Antaya, en 2006. Le dossier, c'était un petit document boudiné avec comme petite école. C'était pas exceptionnel comme document de preuve historique. Là, mais... En décembre 2019, Jean Coitsot émet ce communiqué au nom de sa nation. On y mentionne que la chef Côté et son groupe sont des usurpateurs d'identité. Je lui ai dit que je comprends son inquiétude que je comprends qu'avec tous les groupes qui existent, c'est difficile de s'y retrouver. En effet, difficile de s'y retrouver. Des associations métisses comme la Nation Sartigan, il y en a pratiquement dans toutes les régions de la province. Est-ce possible qu'il y ait autant de communautés métisses oubliées par l'histoire? Les avis des chercheurs diffèrent sur ce point. Selon les données archivistiques et historiques que j'ai consultées, pour moi, en tant que spécialiste et expert sur la question, il n'y a aucun doute qu'il y a eu des Métis au Québec. Mais tout ça pour dire que... Sébastien Mallette s'identifie lui-même Métis. Professeur à l'Université Carleton en Outaouais, il étudie ces groupes qui tentent de se faire reconnaître. Pour lui, il faut regarder les groupes Métis au cas par cas. Avec deux autres chercheurs, il vient de publier le livre « Les bois brûlés de l'Outaouais » qui fait état de l'origine des Métis de cette région. Je crois que la plupart des individus viennent vers ces groupes-là avec des identités puis des motifs qui sont distincts, qui sont pluriels, multiples. Oui, il peut y en avoir des gens qui peuvent avoir des mauvaises intentions, mais c'est pas à mettre tous dans le même panier. Daryl Leroux fait une autre lecture du mouvement métis. En 2019, il a publié ce livre bientôt traduit en français, « Des Blancs qui revendiquent une identité autochtone ». Daryl Leroux les appelle des « race shifters », des Autochtones autoproclamés. Le professeur à l'Université St. Mary's à Halifax n'hésite pas à remettre en question l'authenticité de ces groupes dans l'est du pays. Au Québec, j'en ai trouvé environ 30 à 35 qui sont présentement actifs. En Nouvelle-Écosse, il y en a environ 10. Au Nouveau-Brunswick, il y a 7 ou 8 qui vont en cours normalement pour accéder ou essayer d'accéder à des droits autochtones. Pour obtenir des droits autochtones, avoir un ancêtre dans sa lignée et être membre d'une association métisse ne suffit pas. Il faut faire la preuve que l'on appartient à une communauté métisse historique. Les droits autochtones au Canada sont des droits collectifs, uniquement. Si vous voulez avoir des droits, il faut que vous soyez une communauté et les droits vont être accordés à la communauté et non pas à des individus. Denis Gagnon a été directeur de la chaire de recherche sur l'identité métisse à l'Université Saint-Boniface à Winnipeg. Pour lui, l'identité métisse est une richesse dont il faudrait prendre soin. Les métis, ça peut être aussi bien la colonie de la Rivière Rouge, peut être utilisé comme terme générique pour désigner quiconque possède des origines mixtes européennes et autochtones, et ce, partout au Canada. La communauté qui veut obtenir des droits doit démontrer qu'elle a une culture commune, des coutumes et traditions qui constituent l'identité métisse, différente des Premières Nations et des Européens. Et prouver que cette tradition a perduré dans le temps. C'est le test parlé, un jugement de la Cour suprême qui a fait jurisprudence au Canada. Children, my grandchildren,
be like their ancestors, hunt when they want. Steve Parley et la collectivité métisse de Sault-Sainte-Marie ont réussi ce test avec succès en 2003 et ainsi obtenu des droits autochtones. Un jugement qui a enflammé le mouvement métisse partout au pays. Il y a beaucoup de membres de communautés au Canada qui vont lire les critères et qui se reconnaissent. Ils se disent, on est, nous autres, on est comme ça. C'est ce qu'on a vécu, c'est notre histoire. Donc, ils se sont reconnus et se sont dit, on pourrait avoir des droits, nous aussi, comme à Sault-Sainte-Marie. Près de 110 associations, au Québec et au Canada, se sont tournées vers les tribunaux, confiantes d'obtenir une reconnaissance et des droits, généralement des droits de chasse ou de pêche. Alors que Dominique Côté était chef de la communauté métisse Antaya, certains de ses membres souhaitaient pouvoir produire du sirop d'érable sans être soumis aux règles en vigueur. Moi, j'avais personnellement écrit à l'UPA. Ce que je lui demandais, c'était un quota particulier pour la nation. Mais ça a été refusé. C'est juste une question d'argent encore là. Mais à force de répéter le mensonge, ils sont devenus des Indiens. Là. Dans leur cœur, ils se lèvent, puis la sauge, puis le pied part, hein, comme que disait l'autre. Je vous présente notre danseur traditionnel de la nation, Mario Turgeon. Un danseur traditionnel, un conseil, un cercle des aînés, la nation Sartigan est à l'image des Premières Nations. Autant de gestes pour retrouver des racines et célébrer une culture. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait dans votre tradition normalement? Moi, je n'étais pas accueilli par un danseur de power, de pas rapport. C'est très irrespectueux. Là. Le gars, le power, c'est une cérémonie. Ces grands-mères autochtones, ils sont très, 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 très loin parce que toutes ces trois ascendances autochtones remontent au 17e siècle. Dominique Richaud n'a trouvé aucun document démontrant que la grand-mère de Dominique Côté serait autochtone comme elle le prétend. C'est très difficile de faire les recherches amérindiennes. Non seulement c'est pas indiqué, mais ils changent de nom. On les efface, nés de parents inconnus. Vous savez, vous me dites, bon, votre généalogiste n'a pas trouvé ma grand-mère. Moi, je viens de la trouver dernièrement. Alors, c'est pour vous dire comment ça a été très, très compliqué. Oui, c'est tout un nébuleux. Il y a tout un histoire. Si quelqu'un, un autochtone, te dit... C'est compliqué, ma généalogie. C'est pas compliqué, c'est parce que c'est un mensonge. Il y a rien de caché ou de mystérieux. C'était vraiment là, les gens devaient être recensés. Les gens voulaient savoir à qui ils avaient affaire aussi. C'est important aussi d'avoir un œil sur une population qu'on essaie de contrôler. Il faut que tu acceptes comme métisse. Sébastien Mallette est d'avis que même ceux n'ayant aucun ancêtre autochtone ont le droit de s'identifier comme métisse. Pour lui, il faut aller au-delà de la généalogie et considérer leur façon de vivre et de voir le monde. Les critères généalogiques, ça mène à des chasses aux sorcières, vous savez. Est-ce que vous avez véritablement ces ancêtres-là ou non? Est-ce qu'ils viennent très exactement des familles algonquines ou abénakis? Selon le registre public, Symphorose Tapakoé, né au 17e siècle, serait le plus proche ancêtre autochtone de Sébastien Mallette. Une information qui est fausse selon celui qui dit accorder davantage d'importance à ce que lui a transmis son père. C'est souvent le cas chez les Métis. En fait, je ne suis pas tout seul là-dedans. La plupart des Métis vont connaître une transmission culturelle familiale. On a souvent cette historique-là, tu sais, des histoires de famille où les gens disent « Ah, oh, ma grand-mère nous disait qu'on avait du sang indien, etc., etc. » Mais souvent, c'est de mythologie canadienne, française, québécoise. Qui est basé sur une ascendance qui remonte aux années 1600. Lorsque vous vous affirmez comme métisse de nos jours, automatiquement, vous tombez sous la loupe. Vous tombez sous la loupe, par exemple, de journalistes comme vous ou de spécialistes qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais d'où ça vient? Qui exactement? Lequel? Ça fait combien de temps? T'en as-tu suffisamment? » Le groupe Antaya émettait une carte. La majorité des associations métisses émettent une carte de membre. Dominique Côté avait la sienne quand il était chef de la communauté Antaya. Des cartes souvent semblables à la carte officielle émise par le fédéral aux Indiens statués. Certains utilisent frauduleusement leur carte métisse pour être exemptés de taxes sur leurs achats, comme une voiture neuve, par exemple. On va vraiment créer la carte pour ressembler autant que possible à la carte réelle. Et on voit qu'il y a un montant de fraude dans l'utilisation de sa carte assez élevé. Aujourd'hui, la nation Sartigan n'émet plus de cartes à ses membres, justement parce que la chef Côté dit avoir constaté des cas de fraude. J'ai moi-même fait le tour des commerces avec un document sur la loi sur les Indiens expliquant à quel endroit a lieu la déduction.
d'une part. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué aussi avec les gardes-chasse pour leur expliquer que tu n'as pas le droit de chasser et pêcher n'importe où au moment où tu détiens une carte telle que celle-là. La chamane Lumawakan est aussi membre de la nation Sartigan. À l'heure actuelle, on est une nation parce que la journée où on va signer notre entente avec le ministère des Affaires indiennes, nous reconnaissant comme titulaire de ce village-là, on va pouvoir devenir utiliser le mot Première Nation. Et tout ça, c'est en cours, là. À ce jour, seule la communauté de Sault-Sainte-Marie en Ontario a réussi le test parlé. Les 110 autres groupes métis ont tous échoué dans leur tentative de se faire reconnaître juridiquement. Au Québec, le plus retentissant procès a eu lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le chasseur Ghislain Corneau refusait de démolir son camp de chasse sur les terres publiques puisqu'il se disait métis. Près de 12 000 personnes de trois organisations métis se sont jointes à lui pour revendiquer des droits autochtones. Après plus de 11 ans de procédure, la Cour d'appel a rejeté leur demande. Le juge conclut ainsi. Pour plusieurs, s'identifier comme métis ne correspond souvent à rien de plus qu'à la reconnaissance d'un métissage biologique remontant à l'époque coloniale, sans égard au moindre aspect culturel et communautaire relié à ce statut social. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de gens métissés, de personnes métissées qui sont autochtones. Évidemment, c'est le cas, là. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de peuple distincts métis. Le problème, c'est qu'il y a eu des efforts par les gouvernements par le passé pour éteindre ces communautés-là, dont on demande aujourd'hui de faire démonstration de leur existence. Donc, il me semble que le gouvernement a un problème, à savoir de demander à des gens de prouver une identité qu'elle a tenté d'évacuer et même d'éliminer pendant 200, 300 ans. Peut-être c'est pour accéder à des droits de pêche, de chasse. Peut-être c'est pour accéder à des programmes d'emploi. Peut-être c'est... simplement pour, tu sais, un désir ambigu d'honorer ses ancêtres. Mais ce qui est important, c'est que les premiers peuples disent que ce n'est pas acceptable. Au retour, notre collaboratrice tente d'obtenir sa carte de membre d'une organisation qui représente des métis et découvre par le fait même quelques cousins éloignés. Pour devenir membre d'une association métisse et avoir une carte, il faut remplir un formulaire. Fournir la preuve que vous avez un ancêtre autochtone, parfois une simple déclaration sur l'honneur suffit. Puis payer les frais qui varient entre 40 et 260 $ selon l'association. Une cotisation annuelle est exigée. Nous avons voulu vérifier à quel point il est facile ou pas d'obtenir la carte d'une association. Nous avons demandé à une collaboratrice de tenter l'expérience. À sa connaissance, elle n'a aucun ancêtre autochtone dans sa lignée. Elle remplit tout de même les formulaires pour devenir membre de la plus importante organisation représentant des Métis dans la province, l'Alliance autochtone du Québec. Fondée dans les années 70, l'Alliance autochtone du Québec a une longue histoire de conflits internes. Au milieu des années 2000, l'association est même au bord de l'éclatement. Le nouveau chef, Guillaume Carle, mène une guerre sans merci contre des membres influents de l'organisation. Une série de retentissants procès et de réunions houleuses. Par la suite, ce même Guillaume Carle a fondé sa propre association. Son organisation a fait l'objet d'une enquête de CBC en 2018. Le chef Carle recrutait des membres en faisant analyser leur ADN en laboratoire. CBC a révélé que les résultats étaient plus que douteux. L'ADN de collègues nés en Russie et en Inde, et même de la bave de chien, contenait des gènes autochtones. 12 % Abénakis et 8 % Mohawk. Guillaume Carle poursuit CBC en diffamation pour ce reportage. L'Alliance autochtone est la seule association représentant des Métis au Québec à être subventionnée par le fédéral. En 2020, elle a reçu plus d'un million de dollars. Si le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ne reconnaissent pas un peuple distinct métis dans, à l'est de l'Ontario, au sud de l'Ontario, au Québec, etc., etc., pourquoi leur donner des financements à ces organismes-là? Que tu viennes, tu sais,
quatrième génération ou septième génération, tu es métis. Robert Bertrand a été lui aussi chef de l'Alliance autochtone de 2011 à 2016. Il a été élu le chef du Congrès des peuples autochtones par la suite. J'ai eu une bonne discussion avec la ministre. Tu voyais là, qu'elle ne voulait pas nous voir. Là. Au Canada, seuls les Métis de l'Ouest et la communauté de Sault-Sainte-Marie sont reconnus par le fédéral comme étant des nations autochtones. Le Congrès des peuples autochtones est une organisation politique basée à Ottawa qui milite pour la reconnaissance des autres Métis à l'échelle du pays. L'organisation dit aussi représenter tous les Autochtones vivant hors réserve. Le gouvernement fédéral lui verse près de 5 millions de dollars par année. Et si vous vous définissez comme métis et qu'au fond, vous n'êtes pas indien, vous enlevez la place des Indiens. André Maltais a été député et fonctionnaire fédéral pendant plusieurs années. Il est celui qui a convaincu Pierre-Éliott Trudeau de reconnaître les droits des Autochtones dans la Charte des droits et libertés. Pour lui, les organisations représentant des métis qui ne sont pas reconnues officiellement par Ottawa ne devraient pas recevoir d'argent public. Je comprends surtout pas comment ça fait qu'on reste là. C'est moyen de regarder ça comme... Et c'est pour ça que les citoyens ont bientôt mêlé et qu'on pense que les injustices, puis peut-être à raison. Par courriel, le ministère des Affaires autochtones dit collaborer avec le Congrès des peuples autochtones dans le but de faire progresser la réconciliation. Est-ce que vous, votre descendance autochtone, vous dites que vous avez validé, ça remontait à où? C'était... j'en ai sur les deux côtés, sur le côté paternel, sur le côté maternel. Ils vont parler rapidement. Ils vont dire c'est de ma grand-mère, c'est du bord de ma grand-mère, mais là, ils changent de conversation vite parce qu'ils veulent pas trop qu'on rentre dans les détails. Parce qu'en réalité, c'est 12 générations de leur grand-mère, tu sais. Selon nos recherches, l'ascendance autochtone de Robert Bertrand remonte elle aussi aux années 1600. Des gens sont mis en position de leadership, vont rencontrer le gouvernement fédéral à différents niveaux pour différentes raisons et, comme vous l'avez dit, vont recevoir des millions et des millions de dollars du fédéral. Robert Bertrand maintient avoir des ancêtres autochtones contemporains dans sa lignée, sans pouvoir les préciser. Depuis son enfance, il trappe avec son père, dit-il. Du sang autochtone coule dans ses veines et il se dit fier d'être métis. Revenons à notre collaboratrice. Elle n'a pas encore reçu sa carte de l'Alliance autochtone. Mais elle est surprise d'apprendre qu'elle répond aux critères pour l'obtenir. En complétant sa généalogie, elle découvre une femme autochtone de nom inconnu qui a marié Jean Nicolet, un proche de Samuel de Champlain, en 1629. Le même ancêtre que Dominique Côté, Eugénie Bouchard, Louis-José Houd, Pierre-Carl Péladeau et même le premier ministre Justin Trudeau. Moi aussi, je l'ai dans mon ascendance. Cette femme-là, seule, a des centaines de milliers de descendants aujourd'hui. Donc, si toutes les personnes franco-descendantes se disaient autochtones aujourd'hui sur une base généalogique, on aurait environ 8 à 10 millions de nouvelles personnes autochtones au Canada et un autre 2 à 3 millions aux États-Unis. Donc, évidemment, n'importe qui peut se dire n'importe quoi. Si je veux me dire extraterrestre, je peux me dire extraterrestre. La question, c'est qui va te croire? Après la pause, des emplois réservés aux Autochtones dans la fonction publique sont occupés par des Autochtones autoproclamés. J'ai eu des congés de maternité, donc à chaque retour de maternité, il y a des choses qui se sont produites. J'étais comme, ah, il y avait des gens qui étaient devenus Autochtones en mon absence. Peut-être que vous vous dites, c'est quoi le problème si quelqu'un se sent autochtone, s'identifie à la culture autochtone et finit par se présenter comme autochtone? Bien, vous allez voir que pour des membres des Premières Nations, ça a des impacts très concrets. Moi, je me suis fait traiter de racisme, t'sais, alors que j'essaie de dénoncer les gens qui s'approprient un peu l'identité autochtone. Cindy Wild est algonquine et atikamekw. Elle vient de prendre sa retraite après avoir travaillé 25 ans auprès des détenus autochtones. Elle souhaite dénoncer ce qu'elle a vu à Service correctionnel Canada. On m'a approchée pour occuper un poste qui existe toujours, qui s'appelle agent de développement auprès de la collectivité autochtone. Donc, ça a été le début des initiatives autochtones au service correctionnel. Ce département des initiatives autochtones a été mis sur pied pour répondre aux besoins des détenus issus des Premières Nations, surreprésentés en milieu carcéral.
Pour réaliser sa mission, Service correctionnel Canada a besoin de personnel autochtone. Être autochtone est même obligatoire pour occuper certains postes clés. J'ai eu la chance d'être maman, puis j'ai eu des congés de maternité. Donc, à chaque retour de maternité, il y a des choses qui se sont produites. J'étais comme, ah! Il y avait des gens qui étaient devenus autochtones en mon absence, tu sais. Fait que des gens parmi mes collègues, là. Cindy Wild constate alors que certains collègues déclarent avoir des origines autochtones pour obtenir les postes en question. J'ai tellement entendu de mes superviseurs dire à quelqu'un, « Ouais, mais toi, tu sais, t'as une ou deux plumes qui te poussent en arrière de la tête, là, fait que je pourrais te mettre sur ce poste-là quelques mois. » Tu sais, c'est des choses que j'ai entendues, puis je suis pas certaine que c'est des blagues parce que ces gens-là ont occupé ces fonctions-là. Mais il y a certains postes qu'il faut être vraiment autochtone pour intervenir avec des détenus autochtones. Dominique Launière est Malécite de Vigée, l'une des 11 nations autochtones reconnues au Québec. Elle a travaillé, elle aussi, au département des initiatives autochtones. J'avais une collègue qui était encore là dans la division des initiatives autochtones, qui est d'ascendance portugaise. Puis elle est autodéclarée Mi'kmaq. Les deux femmes ont tour à tour déposé une plainte à la Commission de la fonction publique pour dénoncer la situation, mais sans résultat. J'ai dénoncé ça pour que ça cesse, puis que les détenus puissent bénéficier des services qui leur sont réservés, en fait. Pour obtenir un poste réservé aux Autochtones, une personne doit remplir ce formulaire d'auto-identification et déclarer être autochtone. Service correctionnel Canada ne fait aucune autre vérification supplémentaire. Moi, j'en reviens toujours aux deux poids, deux mesures. Moi, je suis une Première Nation inscrite au Registre des Indiens, puis je dois constamment prouver que je suis une Autochtone avec ma carte. Ce même formulaire d'auto-identification est utilisé dans tous les ministères fédéraux. Au Québec aussi, le formulaire à remplir est relativement semblable. Il n'y a pas que les employés qui ont des raisons de s'identifier autochtones. Les détenus aussi. Des visites plus fréquentes, des services adaptés et la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle plus rapidement font partie des avantages. Ce qui donne lieu à des situations étranges. Un détenu qui s'autodéclare autochtone puis que par la suite, il décide qu'il ne l'est plus. Fait que là, il dit à son agent de libération conditionnelle, « Enlève ça, mon... décoche l'autochtone dans mon dossier parce que ça me tente plus. » Un autre cas, ça pourrait être un détenu qui s'autodéclarait Innu, puis trois mois plus tard, il dit, « Non, non, je suis plus Innu, je suis Mohawk. » Il changeait de nation comme il changeait de chemise. L'aîné occupe une place importante dans la culture autochtone. Dans le milieu carcéral, ils sont engagés pour aider à la réhabilitation des détenus. Ils sont hyper importants. C'est, en fait, je pense que c'est la clé que le service correctionnel aurait pu détenir pour travailler vraiment de façon positive la réinsertion sociale. Malheureusement, il est arrivé aussi dans cette sphère-là des autodéclarés qui ont nui au cheminement qu'on voulait faire aux initiatives autochtones. Donc, c'est des aînés autodéclarés qui font passer des entrevues aux nouveaux aînés qui veulent être embauchés par le service. Les deux femmes dénoncent une situation invraisemblable. Un aîné pas vraiment autochtone et un agent de liaison autodéclaré sur un formulaire entrant en relation d'aide avec un prisonnier qui n'est pas plus autochtone qu'eux. Il y en a beaucoup qui ont quitté, malheureusement. Des bons employés qui auraient pu faire la différence. Et il y en a beaucoup qui ont quitté avec cette amertume-là de dire, ben voyons, c'est quoi ça? On fabrique des Autochtones au service correctionnel. Service correctionnel Canada a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, l'organisation affirme que les employés ont tous droit à l'autodéclaration et qu'elle n'a pas le pouvoir de déterminer si une personne est autochtone ou non. Service correctionnel Canada est même fier d'être le plus important employeur d'Autochtones au sein de l'administration publique centrale. Fait que les grands perdants, au bout de ligne, ce sont les Premières Nations, les Inuits, parce que la surreprésentation ne fait qu'augmenter et ils ne bénéficient pas des services auxquels ils ont droit. C'est encore là une discrimination systémique, à mon sens, à moi, qui est tellement flagrante. Là. Le fédéral a fait son travail, parce qu'il y a juste le fédéral qui peut définir si quelqu'un est indien ou métis ou inuit. Pour André Maltais, qui a participé à plusieurs négociations avec les Autochtones, Ottawa doit statuer sur une définition claire de l'identité métisse. On dit qu'il y a à peu près 500 000 métis. Si on a les nombres comme ça, c'est qu'on a les noms. Si on a les noms, on a leur histoire. Et si on a leur histoire, on peut vérifier la validité des uns des autres. Les deux ministres responsables des Affaires autochtones, Caroline Bennett et Mark Miller, ont refusé de nous accorder une entrevue. Par courriel, le ministère des Affaires autochtones se dit incapable de définir qui est métis et qui ne l'est pas.
L'une des raisons, un jugement de la Cour suprême en 2016. Dans l'affaire Daniels, le plus haut tribunal a statué que les Métis sont de juridiction fédérale. Ils sont considérés comme des Indiens au sens de la loi constitutionnelle, mais pour obtenir des droits, ils doivent réussir le test parlé devant les tribunaux. Mais sur l'identité métisse, la Cour ne se prononce pas. Elle laisse aux Métis le soin de se définir eux-mêmes et au gouvernement fédéral la responsabilité de trancher. La décision Daniels, c'est un peu comme un néant juridique et ça demeure un néant juridique jusqu'à aujourd'hui, justement par manque de clarté. Qui est ou n'est pas métisse aujourd'hui? Sont-ils des survivants des politiques d'assimilation et du colonialisme canadien ou des usurpateurs de l'identité autochtone? Le débat risque d'occuper encore longtemps l'espace public alors que les réseaux sociaux s'enflamment et que la communauté universitaire reste divisée. Ce que je souhaite, c'est la production de matériel scientifique et historique plus adéquat sur la question. Je souhaite également la prise de dialogue pour que les gens puissent réaliser que les Métis, au Québec ou ailleurs, c'est pas le bonhomme 7 heures. J'ai toujours entendu dans ma famille des discussions... Un dialogue impossible pour Daryl Leroux, qui persiste à voir dans la mouvance métis de l'Est du pays une imposture. Je pense qu'il y a de l'espoir que de plus en plus de Franco-Québécois, de Franco-Ontariens, etc., voient qu'ils sont en train de nuire au premier peuple, qu'ils font confiance au premier peuple, qu'ils leur disent « arrêtez de faire cela ». Ils ont pris notre place. Nous, on est juste des gens qui doivent être dans le fond de leurs réserves, puis fermez vos gueules dans le fond de vos réserves. C'est ça le message c'est ça qu'on vit présentement. Moi, là, j'aimerais ça là, que ces individus-là vivent la vie que ma mère a eue, que mes tantes et mes oncles ont eue, tu sais. Je veux dire, c'est pas une vie de bénéfice, là, loin de là. Puis on leur a appris très jeune dans la vie que c'était pas super d'être autochtone au Canada, tu sais. Au Québec comme ailleurs au pays, les associations métisses s'organisent et continuent d'affirmer leur existence et leurs droits. Si leur nombre continue d'augmenter au même rythme, les Métis seront plus nombreux que les membres des Premières Nations d'ici 15 ans. Tôt ou tard, le gouvernement devra s'intéresser à ce phénomène grandissant et tenter de trouver des solutions. J'espère que vous avez apprécié le reportage de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre enquête.